C'est une montagne de déchets qui atteint par endroits 20 mètres de haut. Des déchets issus de chantiers de construction entassés depuis des années dans cette zone artisanale de Pugey-sur-Argens. Une situation qui n'a que trop duré pour le préfet du Var. Ce dernier vient de prendre un arrêté pour fermer totalement le site et éviter tout nouveau dépôt. J'ai considéré que pour des raisons de salubrité, pour des raisons également de bonne gestion des déchets des bâtiments et du travaux publics, il fallait fermer. Là, les forces de sécurité dresseront des procès-verbaux, si un certain nombre de personnes viennent déposer des déchets dans cette décharge. Une bonne nouvelle pour la mairie de Pugey-sur-Argens. Joint au téléphone, le maire se réjouit de cette décision, mais reste prudent et ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Il y a bientôt un an, la commune a obtenu la condamnation du propriétaire de la décharge, aujourd'hui placé en liquidation judiciaire. Celui-ci était censé évacuer les 160 000 mètres cubes de gravats et remettre en état le site, mais pour l'instant, rien n'a changé. Reste donc à voir si cette décision préfectorale mettra fin à cette décharge à ciel ouvert.